Ouais, Moustika, je t'ennuie. Tu voudrais un mâle? Oh là 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 là, je sens que ça va être galère. Tu sais que pour moi, un mâle, c'est quand même dangereux, la Moustika. Tu sais dans quoi tu m'engages, là, hein? Mais Moustika, on est pas bien tous les deux, c'est déjà cool comme ça. Non, d'accord. Ok, j'ai compris. Ok. On va aller te chercher un mâle Indoraptor. Yo les amis, c'est Patch Curtis. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Jurassic Arc 2. Et aujourd'hui, on va à la chasse à l'Indoraptor. C'est parti. Les amis, pour moi c'est la grande forme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, superbe épisode les amis, je suis complètement hypé. Hop, on va récupérer ça. Hop, comment ça va là-dedans? Ouh, il y a tous les points montés encore, hein. Les amis, je suis complètement hypé car aujourd'hui, on va aller tamer un Indoraptor sauvage. J'en ai repéré un, pas loin du labo. Donc, on va aller s'occuper de celui-là. On va faire un petit tour aussi pour les croquettes. Alors, il faut que je fasse une petite update. Qu'est-ce que j'ai de nouveau? Ah oui, un petit Utyranus femelle. Bon, il n'est pas très haut level, mais c'est un Utyranus de ferme, les amis. Hein. C'est pas pour aller jouer avec ou taper les boss. C'est vraiment pour avoir des œufs. Car pour les croquettes extraordinaires, les amis, il me faut des œufs. Alors, j'ai bien avancé, j'ai fait quelques petites tambouilles déjà. On va ranger les œufs ici. Hop, hop. Au niveau des croquettes, j'ai bien avancé. Alors, ça, c'est les fruits et légumes. Patch Curtis, le maraîcher. Alors, on a déjà de l'extraordinaire. On a déjà de la régulière, de la simple, de la supérieure, de la basique et de l'exceptionnel. Donc, pour l'Indoraptor, on aura besoin d'exceptionnel. Mais on va se prendre quand même les extraordinaires pour aller plus vite en cas où. Parce que si vous vous souvenez bien, quand on avait tamé... l'Indoraptor de Jurassic Arc, l'autre mode, eh bien les amis, on était un petit peu embêtés parce que fallait le tamer vite, parce qu'à chaque fois il nous piégeait. Donc là, cette fois, on se fera pas avoir, les amis. En attendant, les amis, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos amis. Merci aux gens qui se sont sub à la chaîne aussi, ça me soutient énormément. En attendant, les pouces bleus en l'air, les commentaires, merci à tous ceux qui le feront. Alors les amis, je me suis toujours pas remis de Mousticos qui nous a quittés, hein. Je suis toujours en larmes. Alors, du coup, j'ai pas de Mousticos pour me déplacer, et je crois que Roux Carnage... Ah bah super, 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 eh bien écoute, on va y aller avec notre petit Phospho Draco. Ok, bah les amis, on est équipé, on a les fléchettes, on a les tranquillisants. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment un Utimal bas level. Pour pouvoir, voilà, que ça farme des œufs et qu'on soit tranquille. Voilà, comme ça, on aura des œufs. Je referai peut-être une croquette ou deux exceptionnelles. Et on pourra aller tamer cette Indoraptor. Let's go! Et voilà, les amis, nous voilà sur la zone du crime. Alors, il y a du petit monde. Le Yuti, il est ici. Donc, c'est un bas level. Hein. Pour une fois, on cherche le plus bas level. Là, on a un level 25. Pourquoi un bas level? Parce que comme ça, on ira plus vite à le coucher. Plus vite à le tamer, et comme on compte pas s'en servir, qu'il compte juste faire des petits œufs avec Madame Yuti, on sera très bien comme ça. Oh mais regardez, il y a un Mousticos. Ah, c'est un level 100. Oh, Mousticos, il me manque tellement, les amis, il me manque tellement. Bon, c'est vrai qu'il aura pas fait une semaine, quoi, il a fait deux jours. Mais oui, j'ai eu le temps de m'attacher à lui quand même. Hein. Bon, comment on va faire pour ce Yuti, les amis? Il va falloir qu'on se débarrasse des carnots, éviter son cri, et ne pas tuer le Yuti qui est bas level. Alors, et puis en plus, il y a du monde partout. Est-ce que mon petit Phospho Draco, tu peux rester comme ça? Me fais surtout pas tomber. Alors attendez, lui j'ai pas confiance. Ah lui je sais pas pourquoi j'ai pas confiance, regardez il est en train d'atterrir. Voilà, il me fait peur, voilà, il m'attaque tous. C'est parti. Oh là 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 là. Voilà, là on allait se faire attaquer. Ah bah attendez, on va peut-être se débarrasser des carnots. Attendez, viens 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 petit Yuti, petit Yuti, petit Yuti. Non, oh là là, il est parti où? Il est parti où celui-ci? Ok, ok, ok. Alors, comment on va faire pour se débarrasser des carnots avec un Phospho Draco? Ah bah, voilà. Voilà, le Yuti est coincé là-bas. Impeccable. On a séparé les Yuti, le Yuti des carnots. Ok, allez-y. Continuez, il n'y a pas de souci. Voilà, impeccable. Bon, voilà, maintenant qu'on s'est débarrassé des carnots, il va où, là? Non, mais t'es pas obligé de partir si loin, hein. Attends, voilà. On va atterrir ici. Hop, c'est pas un peu raide, là, pour nous atterrir, là? J'ai un petit peu peur, quand même. Hop, on va se poser là. Ouais, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Ok, on descend. Hop, ça se filait pas un Yuti ici? Ça se filait? Alors attendez, on va tester. Je sais plus du tout si ça se filait un Yuti. Dans mes souvenirs, je crois que si, les amis. Alors, oui. Alors si, par contre, je mets pas le bon outil. Il est où? Il est là. Hop. Voilà.
pas tenter de le filer, je crois que ça se filait le duty. Attention. Ouais. Oh bah voilà, si c'est pas facile. En plus, un level 25, on va le coucher en 2 secondes. Ah, il prend pas ses flèches d'ici. Je vais tomber. Je vais tomber. Ok, on va descendre un peu plus bas. Hop là. Et là, il va nous faire un gros dodo. Hein. Là, ça va être radical. Ok. 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 Allez. Voilà, super ça. Des petites flèches. Hop. Alors, je vous passe les détails de là où il les prend. Hein. Ça doit pas faire du bien, mais... Voilà. Ça y est, ça part sur un dodo. On va le tamer à quoi, ça? Il faut quoi, là? De la viande de mouton? De la viande crue? Oh, faut que ça aille vite, quand même. On va essayer de... Oh, qu'est-ce qui... Oh, bah, regardez-moi ça, ce petit paracétarium, level 20. Bah, il va nous donner les petites viandes supérieures qu'on veut. Hop, on va faire attention à l'argentavis, quand même. Parce qu'il va nous attaquer, c'est sûr, à un moment donné. Qu'est-ce que j'ai comme fusil à pompe, là-dedans, là? Bon, j'ai un bon petit fusil à pompe, ça peut être pas mal. L'argène va nous attaquer, les amis. L'argène va nous attaquer. Un level 50. Ok, on va commencer avec lui. Voilà. Et je crois que c'est une des premières fois où je me sers de mon fusil à pompe, quand même. Hein. Lui, je vais le terminer parce que il va nous embêter. Hop, il aura peut-être de la viande sup aussi. Alors, ma petite pioche. Hop, voilà. On est pas mal, on est pas mal. Pour l'instant, tout se passe comme prévu, les amis. Alors, hop. Combien de viande sup? Ok, 2, 3, eh ben c'est bon, ça va faire l'affaire. Et lui, peut-être qu'il va nous en donner une. Eh ben non, 0. Voilà. Impeccable, impeccable. J'espère que... Ouais, et des fois, ça peut arriver qu'on n'ait même pas accès à lui tellement il est encastré dans la montagne. Hop, voilà. Allez, on te laisse manger tout ça et on te ramène à la maison. Y'a embrouille, y'a embrouille. Y'a embrouille, vas-y, Yuti. C'est ton ancien pote, mais c'est plus ton pote maintenant, c'est nous tes potes. Vas-y, vas-y, hop, allez, allez, croque-le, croque-le. Et on fait ce qu'on peut, hein. Eh, hey, le phosphato d'un coup, il met quand même du 120, hein. Oh là, et j'espère qu'il a pas pris tarif, oh là là, il m'a surpris. Bon, bah j'ai oublié de vous dire, mais oui, il est tamé. Ok, impeccable, on va déjà lui monter ses points direct, lui, hein. Hop, la viande, il en a encore, ok, on va lui mettre des points dans la vie, déjà. Voilà, hop, parce que toi, faut que tu tiennes longtemps. Voilà, le but, hein, t'es pas là pour faire du combat, t'es là pour vivre. Ok, très très bien, les amis. Eh bien, on a notre couple de Yuti. Allez, on rentre à la base, on fait les croquettes, et on va s'occuper de l'Indoraptor. De retour au parc, les amis. Allez, on va mettre monsieur avec madame. Hop là, voilà. Un joli petit Yuti. Impeccable. Et là, ils vont nous faire de jolis petits œufs. Voilà, impeccable, impeccable. Allez, on permet l'accouplement. Bon, par contre, on ira s'en retamer un vrai, hein, les amis. Hein, vous inquiétez pas, hein, ça, c'est les animaux de ferme. D'ailleurs, il faut que je vous explique. Petite mise à jour, les amis. Hein, ici, finalement, on va faire un petit resto, comme je vous l'avais dit, mais ça va surtout être une ferme. Donc, les enclos qu'il va y avoir ici, ça va sûrement être peut-être pour des dinos de ferme ou des gros carnivores. On va bien voir. Mais dans tous les cas, voilà, ce labo-là, pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, il est voué à disparaître. On va aller dans le labo géant qui nous attend bientôt, les amis. D'ailleurs, le prochain Indominus, prochaine repro qu'on fera, ça sera là-bas, de toute façon. Hein. Et je me rends compte que je vous dis ça à chaque épisode, quoi. Bon, ça y est, on a des petits babies. On va arrêter l'accouplement pour le moment. Hop là, ok, impeccable. Allez, on va tenter de se faire une petite croquette extraordinaire parce qu'il nous en faudrait une en plus. Allez, c'est parti. Alors, on y met nos petits œufs extraordinaires. Alors, il nous faut... bah écoutez, on va mettre tout, du citron, du maïs, de la méjo, je sais plus exactement ce qu'il faut, donc on va tout mettre, comme ça on est tranquille, je sais qu'il faut du chaudré de Lazarus, et il m'en reste un. Hop, hop, voilà, voilà, on est bien, de la viande séchée, ok, de la viande séchée, on en a là, de la viande normale, on va en mettre aussi, de la viande de poisson aussi, allez, elle est où ma petite recette, mon petit chaudré de Lazarus, là, c'est où ça? Chaudré de Lazarus, c'est ici, et là, les amis, normalement, ça devrait être bon, voyons voir. Allez, fais-nous une croquette, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah non, elle est là, voilà, une croquette de plus, très bien. Allez, on s'embarque tout ça, oula, je suis un petit peu lourd. Ok, là, on est bon, on prend ces croquettes extraordinaires, dans le doute, on va quand même s'en prendre des comme ça, on sait jamais, parce que franchement, l'Indominus, l'Indoraptor, j'ai pas confiance en lui, vraiment, c'est très fourbe comme dino. Donc on sait jamais, ok, on a nos petites croquettes, on est good, et cette fois les amis, là ça va pas rigoler.
Et voilà les amis, nous voilà derrière le labo et regardez-moi cette petite bête qui court là-bas. Indoraptor mâle 140. Étant donné que nous on a créé une femelle, un petit mâle sauvage devrait lui faire plaisir. Par contre les amis, je ne suis absolument pas serein parce que cette bébête là, c'est pas n'importe quoi hein. Ok, je pense qu'on va commencer à lui mettre des darts. La zone est à peu près safe ici. De toute façon, depuis que j'ai commencé à construire, c'est devenu un champ de bataille ici. Les arbres ne repoussent même plus. C'est du n'importe quoi. Regardez le petit labo là-bas. Je ne vous spoile pas, les amis. Je ne vous spoile pas. Bon, je suis pas serein. Il est en train de faire une boucherie derrière le rocher là-bas. On va se mettre là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est en train d'attaquer là-bas? Je sais pas ce qu'il attaque. Je veux pas me faire attaquer par autre chose, hein, c'est... Ça m'arrangerait pas. Regardez-moi ça. Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache! Oh, j'ai flippé! Oh, il est arrivé tellement vite! Waouh! Comment on va faire ça, les amis? Ici, je pensais faire un enclos géant, justement, pour les dinos, pour les indominus. Je pense que c'est ce qu'on va faire, ça va être magnifique. Ok, est-ce que là, vous pensez qu'il m'attaque ou pas, là? Voilà, si je reste ici, je suis bien, là, normalement. Ok, on va faire comme ça. Allez. Oh, ça touche. Oh, ça touche. Je sais pas si... Oh, il va être coincé. Dodo. 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 Et dodo. Oh là 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 là. Pas dodo. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh, oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Il est violent. Il est tellement rapide. Oh. Oh, la vitesse du dino. Mais attends, mais quand il va partir en torpeur... Mais quoi qu'il part peut-être pas en torpeur, celui-là. Oh, la vache. Oh, la violence. Oh, la violence. C'est sur moi, là. C'est sur moi. Non. Non, non. Laisse le fausse Fato Draco. Laisse-le. Bon, et il y a d'autres dinos, quand même. Pourquoi il s'attaque qu'à moi, là? Hop, on va se remettre ici. Il veut vraiment ma mort, celui-là. Hein. Oh, allez, allez, allez. On a réussi à lui mettre 3 flèches. Le phosphato, il est comment? Il est mid-life. Ok, il a 9k3 de torpeur. Et là, on lui a mis 5k4 déjà. C'est assez bien. Bon, si le phosphato Draco tient, on est bien. Si, il tient. C'est pas dit qu'il tienne. Oh, je crois que j'ai touché le phosphato. Oh là 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 là. Il fait peur, hein. Il fait peur, les amis. On n'est pas serein quand on tame cette bestiole, là. Oh là 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 là. Où est-ce que je pourrais me mettre pour être tranquille là? Ou alors si je me mets au-dessus du rocher, mais je pourrais être bien. Ouh, ça c'est peut-être une bonne idée ça. Faudrait juste pas tomber. Hop, genre pas tomber du tout. Voilà, genre pas glisser non plus. Ok. Là je me sens pas bien là. Ok, ok. Il est là, il peut pas grimper, on est d'accord. Attends, recule phosphato. Recule. Voilà, là je pense qu'on va être bien. Ouh, il a deux doigts de monter. Non, c'est pas possible. Ok, ok. Ok, ça marche. Là, on va être bien. Ok, là, il bouge plus. Il est dans la montée. Allez, fais-moi un dodo. Ok, il dort. Ok. J'ai pas confiance en lui du tout, les amis. Mais alors, du tout. Vous pensez que c'est maintenant qu'on lui met les croquettes? Oh non, 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 non. Non, je le sens pas, je le sens pas. Je vais lui mettre les croquettes, vite. Vite, mange les croquettes. Ah, il en mange pas là. Il mange pas de croquettes. Oh, je le sens pas. Oh, je le sens pas, les amis. Phosphato. Oh non, je me suis fait avoir. Je me suis complètement fait avoir. Vite, Phosphato, pitié. Pitié, Phosphato. Phosphato! Oh non, 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 non. Oh, on est mal. Phosphato, viens là! Arrête de bouger! Pas bouger, pas bouger. Il m'a complètement brain. Il est où? Oh la vache! Oh la vache! Non, du coup, mes croquettes. Et voilà, c'est ce que je vous disais. L'Indoraptor, on peut pas lui faire confiance. Oh, il m'a tellement brain. Il m'a tellement brain. Oh là 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 là. Mais attendez, est-ce que je peux le filer? Oh, oh, comment il m'a eu? Oh, comment il m'a eu? Alors, il est tellement pas serein. Oh my god, il m'a brain. Oh là là, est-ce qu'on peut le filer d'ici?
Faudrait juste pas que je file le faux drago, parce que... Là. Ouais, je l'ai filé. Ok. Ok, ok, ok. Oh, j'ai perdu mes croquettes. Il a plus du tout de torpeur. Oh là 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 là. Allez, qu'est-ce que... Il prend pas les balles dans la tête, lui. Ok, ok. Ok, c'est marrant parce qu'on voit pas le filet, c'est hyper flippant. Hein. Ok. Ok. Allez, dodo. Dodo. On lui met des croquettes. Il m'a fait peur, il m'a fait peur encore. Oh. Hop. On fait gaffe parce que, étant donné qu'il nous les bouffe... Est-ce qu'on peut lui mettre les croquettes comme ça ou... Ou il faut lui mettre genre un peu comme en passif? Non, il les prend pas, hein. Il les prend pas. Prends-les. Oh là là, moi je m'écarte, hein. Je m'écarte, il m'a déjà eu une fois. Il m'aura pas une deuxième fois. Ok. Ok, je suis sûr qu'il fait semblant de dormir encore. Oh là 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 là. Sa torpeur baisse. Sa torpeur baisse très vite, hein, d'ailleurs. Oh là 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 là. En fait, quand il se réveille comme ça, il vous feinte et il vous stun. Oh là 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 là. Allez. Allez, mange tes croquettes. Ah, mais croquettes régulières. Mais j'ai pas pris les bonnes croquettes, moi. Croquettes régulières, il lui en faut deux. Mais... Ah, mais j'ai pris les croquettes là. Ça devrait être encore mieux, ça. Mais peut-être qu'il les mange pas. Bon, je vois s'il se réveille là, je vais chercher des croquettes bleues, alors. Hein. Mais allez, te réveille pas. Mange tes croquettes. Peut-être que du coup, les jaunes, il lui en faudrait qu'une. Il se réveille pas. Il attend que je me rapproche, c'est ça? J'en suis sûr. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Petit futé, là. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça y est. Il en a mangé une. Oh, il en a mangé... Ah, oh, il en a mangé une. Oh là 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 là. Donc, ouais, il en a mangé une, ça lui a mis à la moitié. Eh bien, écoutez, on va changer de croquette, les amis. Je fais un aller-retour et on revient ici. Ok, les amis. Bon, en même temps, je vais changer de monture volante. On va se prendre un petit roue carnage qui est quand même plus agile, un peu plus rapide. Je pense que ça va être mieux pour les déplacements. Ah mince, il y a une vitre. Hop, je vous spoil pas, je vous spoil pas. Non, vous avez rien vu. Hop là. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, bon, bon. Il est où notre petit père? Ouais, on ira plus vite avec Rocarnage un peu. Oh, oh, Mousticos. Oh, Mousticos 145. Oh, bah alors lui, je le timerai après la vidéo. Comme ça, on aura un nouveau Mousticos. Ok. Ah, il va pas m'attaquer quand même. Ah non, mais le Mousticos, son problème, c'est qu'il va tout attaquer là. C'est dommage. Bon, on revient à notre Indoraptor. Ok, 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 ok. Notre Indoraptor, il nous fait des misères quand même celui-ci, hein. Bon, j'ai rechargé en croquettes, les amis. Oh là là là, non, je veux pas être dans le sillage de Mousticos. Oh non, ça m'embêterait, ça me ferait mal au cœur de le tuer quand même. Hein. Ok, il va attaquer quelque chose, lui. Ok, on va se mettre... Ah, ça y est, c'est moi qui l'attaque. C'est moi qui l'attaque. Non, c'est bon. Ok, alors, j'ai une idée. J'ai une idée. Si on met trop de temps avec ce fusil... Alors, je retente avec ce petit... Ah, mais je peux le filer, c'est vrai, j'avais oublié ce petit détail. Ok, donc on va attendre qu'il nous attaque. J'espère que le Mousticos, s'il va pas nous attaquer en même temps, ça serait vraiment dommage. Mousticos, par pitié, si tu veux qu'on devienne ami, ne fais pas ce que je pense que tu veux faire, là. Le tricé est mort. Allez, attaque-moi. Attaque-moi. C'est moi que tu dois attaquer. Allez. Hop là, waouh. Oh, c'est chaud, et encore avec des raptors, ça, c'est possible, mais... Avec des bestiaux comme ça... Allez, tu vas faire un bon dodo, hein. T'as pas le choix, là, t'as pas le choix. Tu finiras à nous, que tu le veuilles ou non. Ok, ok. Ça roll back un petit peu. Ok. Hop, hop, allez. Allez, mon petit. Allez, ça dort. Pas encore. Allez, ça, dodo. Allez, ça, dodo. Allez, fais-nous ton petit dodo, s'il te plaît. Voilà. C'est gentil. Ok, je veux surtout pas être attaqué par le moustique. Tac, on va lui en mettre deux. Je pense que deux, c'est bon. Et je veux pas me faire avoir cette fois. Ok. Allez. Allez, t'es gentil, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, il a l'air de dormir, là, cette fois-là. Il a l'air de dormir, les amis. Ouais. Ouais, je le garde à l'œil quand même, hein. Oh là 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 là. Il va manger une croquette. Normalement, avec une croquette, ça devrait être bon.
J'ai peur. J'ai peur. Ok. Allez, allez, allez. Oh. Roue carnage. Non, roue carnage. Roue carnage. Oh. Je suis mort. Je suis mort. Oh. Oh, je l'ai filé. Oh, je l'ai filé. Oh, oh, j'ai eu peur. Oh, un concavenator. Level 145. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. M'a fait peur celui-là. Bon. Oh. Oh. Il est en torpeur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça a l'air de marcher. Vite, faut lui en mettre une deuxième. Ah, il en a déjà deux. Quoi? Attends, qu'est-ce que... Ah non, 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 c'est juste... Oh non! Mais lâchez-moi! Mais c'est pas possible! Mais quel enfer! Oh. Ah. Satané dilophosaure! Allez, s'il te plaît, tame-toi! Tame-toi, je vois sa torpeur qui redescend! Allez, s'il te plaît, fais un effort! Fais un effort, s'il te plaît! J'ai peur! J'ai peur! J'ai peur! Oh là 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 là, s'il te plaît, mange la croquette! Mange la croquette! Toi, manger croquette! Oh là là, est-ce qu'il me fait bizarre là? C'est que je peux le filer. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut filer un dino qui dort? Un dino qui est déjà tamé et qui dort, est-ce qu'on peut le filer? Ça, c'est la question que je me pose, les amis. C'est vraiment la question que je me pose. J'ai un doute là. Peut-être que oui, peut-être que je me fais des idées. Mais peut-être qu'il dort pas vraiment. Hmm. J'en... Qu'est-ce que... Comment ça j'ai été décelé? Oh, c'est bizarre. C'est bizarre, il se passe des choses bizarres. Oh là 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 là, sa torpeur qui baisse. Il a toujours pas mangé de croquettes. Il faut que je remette des pots narcotiques. Bon, bah notre Indoraptor est complètement réveillé. Bon, 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 bon. Bah écoutez, on va tenter autre chose. Hein. Dans un premier temps, on va le coucher. À peine le temps de prendre des narcotiques et notre petit s'est réveillé. Mais j'aurais dû prévoir les narcotiques. J'ai été recherché dans le labo. Allez, on va essayer de le filer. Hop. Voilà, ok. Et cette fois, on va changer de fusil. Hop. On va être un petit peu plus radical avec lui. Comme il est un petit peu têtu. Hop. Voilà. Allez. Voilà. Tu prends ta petite flèche. Tu vas en prendre une petite deuxième. Et là, je peux te dire que tu as bien dormi. Hein, là. Hop. On va pas se mentir. Ah, la deuxième, il se l'est pas prise. Ah, la deuxième, il veut pas la prendre. Allez, me dites pas qu'il est immunisé à la torpeur, là. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il est piégé, regardez le timer du piège. Oh, oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Ah, si, c'est bon. Oh, oh, attends, il a développé une immunité aux narcotiques. Oh, mais c'est pas possible. C'est pas possible, ce dino, il est incroyable. Ok, alors là, par contre, je peux vous dire, on va bien le faire dormir. Hein. La torpeur qui redescend. Est-ce que ça marche, les pots de narcotiques sur lui? Ouais, ça fonctionne. Ok, 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 ok. Oh là 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 là, oui, oui. En fait, ouais, il faut attendre qu'il ait faim. Ah, c'est dommage que j'ai pas des baies blanches, là. J'aurais fait manger des baies blanches. Ok, ok, ok. C'est dommage que j'ai pas des baies blanches, là, quelque part. Hop. Donne-moi des baies blanches. Donnez-moi des baies blanches. Non, ah si, j'ai 12 Steamberries. Ça peut peut-être déjà servir. Hop, j'espère pas me faire attaquer par les dimorphodons. Ok. Allez, mange les baies blanches. Mange les baies blanches, ça devrait te creuser un petit peu l'appétit. Ah, il n'y en avait pas assez. Il n'y en avait pas assez. Il en faut un peu plus. Allez, pitié, des baies blanches, sauvez-nous. Des baies blanches, je vais me retourner, il va me sauter dessus. Hop, allez, des baies blanches. On veut pas des baies normales, on veut des baies blanches pour une fois qu'on veut des baies blanches. S'il vous plaît, des baies blanches. Ok, j'ai encore 12 Steamberry. J'ai peur. Ah, effectiveness, il est à 50%. Ça fonctionne, il en a déjà mangé une. On continue avec la baie blanche. On continue avec les narcotiques, j'ai plus de narcotiques. Faut que je... Pourquoi j'en ai pas pris? Pourquoi j'en ai pas pris plus? En tous les cas, il s'est réveillé. Non, pitié, pitié, pitié. Regarde comment je t'ai mis bien. Pitié, non, non, laisse-moi partir. Je t'en prie, je t'en prie. Non, roue carnage. Roue carnage, non, 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 non. Rookie, vite. Non, 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 laisse Rookie, laisse Roue Carnage, laisse. Je suis sur Roue Carnage, non, je suis pas sur Roue Carnage. Roue Carnage, Roue Carnage, on s'envole. Oh la chance, oh, oh la chance, oh la chance. Oh là 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 là.
Ah oui, bon, mais il est toujours pas tamé celui-ci, hein. Bon, les amis, j'ai l'impression que le coup des baies blanches, ça peut être une technique qui peut fonctionner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer des petites potions ici, voilà. Et ça, en fait, ça va faire l'effet des baies blanches, ça va l'affamer. Et du coup, il va manger, normalement, les croquettes tout de suite. Donc, on va tester ça. Heureusement que j'ai mis un pantalon de métal mythique hein, sur mon caleçon avant l'épisode. Ouais, j'avais prévu le coup, quand même. Bon, les amis, je suis pas rassuré du tout. Hein. Le tamé de nuit, là, déjà, de jour, c'était pas ouf. Mais alors, de nuit, je suis pas serein du tout, quoi. Il est là. Ok, il y a encore un terri sur la route. Notre petit moustico, c'est toujours là. Ok, allez, on va commencer par le filet direct. On va le filer. Hop. Allez, viens mon petit. Il a encore un peu de torpeur en plus. Voilà. Ok. Bon, j'espère qu'il est plus immunisé à la torpeur par contre. Ok, non, il la prend. Deuxième. Allez, s'il te plaît. Voilà, ça dort. Ok. Bon. Allez, dors. Allez, dors. Ok. Et fais pas semblant, s'il te plaît. Tu vas manger une potion qui t'affame complètement. Maintenant, tu vas me manger deux croquettes, s'il te plaît. Et tu vas être gentil. Allez, une et deux. Oui, ça a marché, les amis. Donc, il faut bien l'affamer. Si vous n'avez pas le mode des croquettes, je vais vous le redire après. De toute façon, c'est dans la description de la vidéo. Mais c'est bien ça l'idée, les amis. L'endormir. Il faut qu'il mange les croquettes le plus rapidement possible. Donc, pour manger les croquettes le plus rapidement possible, faut qu'il soit affamé. Donc, en vanilla, vous... Bah non, en vanilla, vous pouvez pas le faire parce que c'est un dino modé. Mais sinon, les amis, ça voudrait dire que... Hop, attends, attendez, je le récupère, je sécurise, les amis, je sécurise. Et donc, faut l'affamer tout simplement et qu'il mange les croquettes les plus puissantes possibles. Parce qu'en fait, on a très peu de temps, en fait. Étant donné qu'il nous feinte, on a vraiment très très peu de temps. Oui, je sais, c'est joli ce qu'on est en train de voir là. Oui, je sais, oh là là, je peux pas vous spoil, mais j'ai envie quelque part. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, je le ramène à la maison, les amis, et on discute de tout ça. Ouh, oh, j'ai le cœur qui bat 100 km/h. Ça y est, c'est fait. Et voilà, les amis, de retour au QG. Donc, futur resto, futur ferme, on sait pas encore ce que ça va être, hein, mais bon. On va déménager, et ça, ça fait plaisir. Coucou, Moustika, comment ça va, toi, dis donc? Oh là là, oh là là. Regardez-moi la beauté. La beauté. Non mais vraiment. Vraiment. Est-ce que vous avez déjà vu un dinosaure plus magnifique que celui-là? Regardez-moi son animation. Son animation est incroyable. Son détail est incroyable. Oup, 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 attention les petits chicots là, dis donc. Ce qui aurait pu me mordre là. Bon, Moustika, j'espère que là tu vas être heureuse. Parce que je te dis, là je te ramène de la compagnie. Et puis attention, pas n'importe lequel. Hein. Un vaillant. Oh là 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 là. Indoraptor mâle. Oh là là, mais c'est le même que dans le film. Les amis, c'est exactement le même que dans le film. Oh, regardez-moi ce détail avec le jaune, le rouge là. Oh là 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 là. Non mais regardez-moi cette bête. Regardez-moi cette bête. On peut toujours le monter sans selle aussi. Ok, pas de problème. Incroyable. Les amis, qui dit mâle et qui dit femelle dit baby. Mais pas tout de suite les amis. Je vais faire un épisode spécialement sur la repro d'Indoraptor. Et on va faire aussi le déménagement. Oh là là, ils sont incroyables. Ils sont incroyables, ils sont incroyables. Alors attendez, je crois qu'il peut se reposer comme le faisait l'Indominus. On va voir comment ça rend sur l'Indoraptor. Je suis tellement hype. Faut absolument que j'aille remettre mes croquettes dans le frigo. Sinon elles vont... Ok. Ok. Oh, il est allongé à côté de sa petite femelle, il lui fait la cour, dis donc. Bon, comme c'est mignon, ça. Oh, il fait petit dodo, mais il dort qu'un œil, celui-ci, hein. On le sait, le petit malin, là, qui dort qu'un œil, hein. Ah non, celui-là, il m'aura fait la misère, quand même, hein. Il voulait vraiment ma peau, hein. Ah là 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 là, c'était un vrai combat, hein. Tu voulais ma peau, oui, tu voulais ma peau, ça, c'est clair, hein. C'est lui qui voulait me tamer. Oh, il m'a brain, quand même, une paire de fois, hein. Bon, allez, je vais aller ranger les petites croquettes, les amis. Regardez comme il est beau. Oh, il claque des dents comme ça. Oh, il se gratte. Oh, il est incroyable. Oh, il est incroyable. Et il regarde l'aigle là-bas. Il dit, t'en ferais bien ton dîner, hein. Allez, regarde. Ils sont en train de discuter. Ils vont me manger, vous croyez? Oh, oh. Bon, je vais les laisser tranquilles avant qu'ils m'envisagent pour leur dîner, moi, hein. Et en plus de ça, je vais aller m'occuper de Mousticos. Vous voyez, comme ça, au prochain épisode, on aura un petit Mousticos. Et, oh, regardez comme ils sont beaux. Il est plus sympa quand il dort.
Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines aventures. Les amis, c'était Patch Curtis. Bienvenue dans un monde meilleur. Ciao !